Et salut à tous, c'est Nao et bienvenue pour la suite de Silent Hill 2 avec Mikewell. Donc si vous vous souvenez... Oula, attendez, je bouffe mes cheveux. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois on s'est pris un bon coup de pied au derche en fait par Pyramid Head. Et du coup on est tombé là, en perdant pratiquement la totalité de notre vie, ce qui était génial. N'est-ce pas Mikewell? Ah, c'était magnifique, ouais. Donc voilà, donc... J'ai un peu peur pour ce qui va nous arriver. Je suis où là? Ah, c'est dégueulasse et ça sert à rien en plus. C'était gratuit. C'est... Attendez, il y a une feuille blanche là, je veux la voir. Le mur porte une inscription. Si Joseph... C'est qui Joseph? A l'air calme, on peut sortir de sa cellule. C'est qui Joseph? C'est Pyramid Head, Joseph. Ça y est, voilà. On va le rebaptiser Joseph. Ça lui va tellement bien. Bon. Maintenant, c'est déverrouillé. Génial, je suis hyper contente. Ah non, pas toi. Vite, tape Mikewell. Tape. Ne t'arrête pas. Défonce-lui la gueule. Cette vieille morue. Morue. Ah. Morue. En plus, elle a un tuyau, quoi. Comment ça se fait qu'elle a un tuyau? Tiens. Morue. Viande pas fraîche. Espèce de sale huître. Espèce de... Ah. Mais crève. Mais bordel, mais crève. Eh, mais ses ennemis sont... Incroyable, quoi. C'est quoi, ce cadavre, là-bas? Attendez, je suis déjà passé par ici. Est-ce que... Qu'est-ce que t'as vu, Mikewell? Mikewell! Qu'est-ce que t'as vu, Mikewell? Ça, là? Oh, oui! En effet, c'est assez sympa. Ouais, parce que j'ai plus de vie, j'ai plus de munitions, rappelez-vous. J'appuie sur les boutons, mais l'ascenseur est figé. Mais ouais, mais je suis déjà passé par là! Attendez, à quoi ça servait alors que j'aille sur les toits? Je reconnais ce bordel là. La merde alors. J'ai récupéré quoi sur les toits? Parce que ça, je l'avais déjà. Aiguille tordue. Letter de Mary. Ah, j'ai lu un truc intéressant. Attendez. Cette rêve apparaît dans mes rêves agités. Silent Hill. Voilà, tu l'as pas fait. Dans notre lieu à nous, je t'attends. En fait, j'ai lu quelque part que plus on avançait dans le jeu, plus en fait la lettre de Mary rétrécissait en fait. Il manquait des phrases et tout. Mais là, je sais plus en fait où elle s'arrêtait du coup. Bref. Du coup, voilà. Mais du coup, je vais où? Mais pourquoi je suis revenue là? Mais je comprends rien du tout. Qu'est-ce que je suis censée faire du coup? C'est quoi déjà ici? Ah oui, c'était avec le code. Je suis un peu paumé là. F5. Je suis même carrément paumé. À quoi ça servait qu'on aille sur le toit? Vous croyez qu'on peut y retourner? Moi j'ai envie de revoir notre ami Joseph. Hein. Joseph, bizarre quand même. Hein. Et puis là. Parce que du coup, ouais, j'ai essayé de regarder cette porte quand il m'a attrapé par derrière. Enfin, quand il a attrapé Mikewell par derrière, pas moi. Donc ça va. Ah, puis il y avait une... Mais non, mais putain, je suis con, c'est là d'où je suis. Tout va bien. Mais en plus, c'est fermé, quoi. Mais en fait, il n'y a rien, quoi. Si, j'avais ramassé, ouais, un vieux bouquin, ouais, c'était ça. Mais en fait, je l'ai même pas ramassé, je l'ai juste lu. Ouais, mais ça, on l'a déjà lu, Mikewell. Mais en fait... Attendez, je comprends pas. À quoi ça servait que... Je passe ici. Et du coup, maintenant, je fais quoi? Je suis complètement paumé, là, du coup. Hein.
Maria, je sais même plus où on l'a laissé pioncer, au deuxième étage peut-être. Elle lui est peut-être arrivée de Michael, non? Elle est peut-être allée vérifier. Le 5. Je crois que c'était ici, hein. Je sais plus. C'est silencieux. Il n'y a rien. Mais... Putain, attendez, je suis complètement perdu. Mais alors complètement. Ah, je crois pas être déjà passé par là. J'ai des balles de pistolet. C'est relativement cool. Ah, c'est quoi ce bruit? Bon, je rentre dans la première porte. Oh, trousse de soins. Non, bah non, je suis jamais passé par ici. Je suis un peu paumé. Mais bon. Ah! Je peux sauvegarder comme dans Resident Evil. Qu'est-ce que c'est? Une machine à écrire, je n'en ai pas besoin. Un petit instant, qu'est-ce que c'est? Une feuille de papier carbone est restée dans la machine à écrire. J'arrive à lire ce qui est imprimé en relief. Je sais. Le numéro sur la boîte... 1527. Ah! C'est pour la boîte qui a bah, à l'étage où il y a Mary. Je sais même plus où elle est, du coup, cette conne. Ça ne servirait plus à rien. Je ne crois plus que le bout... Je ne crains plus le bouton clé personne. Quoi? Le bouton clé, personne ne m'arrêtera. Qui je suis, je l'ignore. Je suis qui je suis. Qui je suis, qui je... Ok. On a compris. Je suis qui je suis, bordel de merde. Y a-t-il quelque chose, là, Miguel? Rien d'intéressant ici. Oh oui, ma poule, y a rien d'intéressant ici. Bon, alors j'ai le code. Ah, caca boudin. C'est qui ces moignons? Ah non, c'est quoi cette conne? Crève! Ah! Il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux! Et j'ai plus de vie, moi, les amis, hein. Faut se calmer là. Hein. Faut dangereusement se calmer là, parce que j'ai plus de vie. Elles font trop trop mal. Bah l'autre elle se barre. Nickel. En plus elles font des bruits. Il y a des mecs quoi, c'est trop chelou. T'arrêtes pas. Je crois que la musique est en train de péter un plomb un peu là. Crève. Crève, 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 crève. Crève. Putain mais elle est toujours pas morte hein. Ah si ça y est. On va se re-soigner un petit coup. Putain, mais... Oh Miguel, tu prends cher, je crois. Où suis-je? Oh, des munitions. Oh, merci. Ah non, la clé œil de lapis. Absolument, bah écoute. J'ai des cartouches de fusil de chasse. Ah si, il y a des cartouches quand même. En plus de fusil. Ok. Tout va bien. F5. Maintenant, je vais faire des sauvegardes toutes les 5 minutes. Surtout que tout à l'heure, quand j'ai lancé le jeu, j'ai eu un petit bug quand même. Bon, rien de méchant, mais... Du coup, ça me ferait chier de recommencer. C'est ouvert. Ah, merde! Wouh! Oh, putain! Reflex! Miguel! Mimi en action! Mimi des idées de génie! Oh putain! C'était quoi ça? Vous avez vu comme moi, elle s'est téléportée derrière moi pendant une fraction de seconde! Oh encore! Oh encore! C'est quoi ces gros bugs? Je crois que mon jeu est un peu en train de péter un câble là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. C'est mignon ce petit cri, Miguel. Ouais, merci, je sais. Poisson revient. Une poisson revient. Des balles de pistolet. Oh, ça va, il me redonne pas mal. Bon, tant qu'elles sont toutes seules comme ça, j'arrive à me les faire au bâton. Donc, on va éviter de gâcher comme j'ai fait mes munitions. 5. Oui, tape. Aïe, putain, mais elles arrivent toujours à me taper un coup avant que Miguel réagisse, quoi. Allez, Miguel, ça laisse pas démonter. Non mais t'es moche. Ah, t'es moche. T'es moche, je te dis. C'est plus le poiscaille. La vieille huître périmée.
Il y en a encore une? Ah non, ça va. Putain, oh. Calmez-vous deux secondes. Là, c'est l'ascenseur, mais il va pas marcher encore. Bah ouais, à chaque fois, il y a des caches, mais je sais pas comment on les enlève, moi. Ça, c'est fermé. F5. Je suis désolé, je fais beaucoup de quick save, mais... Mais voilà, quoi. Je me sens plus en sécurité comme ça. Alors, j'ai trouvé un code et une clé. Un code fâché. Oh, merde. Ah, tiens. Oh, putain, j'ai réussi à la voir. Je pensais être trop loin. Ouais, Miguel. Oh, vas-y, pote-lui son petit derrière de transsexuel, là. Oh, bourrinage. Espace, 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 espace. Eh, mais elles font vraiment trop mal et elles sont vraiment trop dures à tuer, quoi. C'est un truc de fou. Non, mais reste par terre, quoi. Respecte mon putain d'autorité. Toujours pas morte? Toujours pas morte. Tiens, tu te la fous, tu te la piqûres profondément dans ton... Voilà. Oh là là, mon dieu. Alors, j'ai encore des cartouches. Je crois que Miguel a vu autre chose. Ah ouais, merci Miguel. 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 Mais... Ça m'inquiète parce que... je crois qu'il y a un petit bug de musique. Oh bordel. Bon attendez, je reviens. Nous sommes de retour, voilà. Je règle le souci, normalement je devrais plus avoir de bug de son, je devrais plus avoir... Bah rien. Bon maintenant le plus affolant c'est... Où est-ce que je suis censé aller? Parce que j'ai pas trouvé tant de trucs que ça finalement ici. Il y a toujours ça que je peux pas ouvrir. Il est verrouillé, je n'arrive pas à l'ouvrir. J'ai plus de clé, j'ai plus de... À moins que j'ai tout maintenant pour ouvrir le coffre. Mais je crois qu'il doit manquer un truc encore. Je sais pas. Parce qu'il y avait pas mal de trucs. Je sais même plus d'où je viens. On va essayer de retourner au coffre. Donc faut que je repasse par là. Putain, il va y avoir des infirmières. Voilà. Je l'avais dit. Par là. On n'attend pas. Et du coup, ouais, je crois que c'était au troisième étage. Et après, bah, le même... Il me semble que c'est là-bas qu'il y a été Maria. Là, on passe là. Yep, je crois que c'était ici. Ouais, c'était là. On va aller voir comment elle va, d'ailleurs. Non, c'était pas là. C'était celle-ci, je crois. Hey, ça va? Toujours en train de faire ta petite sieste? Ouais, vas-y, crève pas. On a encore dit... Non, j'ai pas trouvé Laura, non. Ah oui, c'est vrai qu'on cherche Laura à la base. On cherche Mary, on cherche Laura. On cherche plein de monde avec Miguel. Tout plein de monde. Alors, la boîte... Boîte... Elle était pas là. Elle était pas là. Là, c'est là d'où je viens. Non. Non. Oh, on va y arriver. Ouais. Peut-être là. Ah oui, là, il y avait ça, ouais. Mais je peux toujours pas le prendre. Si j'avais un truc fin étroit... Bah ouais, mais j'ai un truc fin étroit, mais je sais pas à quoi le rattacher. Attendez. Je vais re-essayer vite fait, parce que ça me stresse, cette histoire. Combiné avec quoi? Comment je fais après pour... Non, combiné, j'ai dit. Combiné avec... bah, je sais pas quoi. Je sais pas comment on fait pour utiliser un autre truc après. Ce n'est pas assez long. Avec une clé, non, je peux pas. Non. Ça ne sert à rien pour l'instant. Si tu le dis, Miguel.
Mais je comprends pas comment on fait pour... Vous voyez, là, je me mets sur combiné, on le voit dans le petit truc, et après... Bah après, je sais pas du tout comment on fait pour sélectionner un autre objet pour le combiner avec. Du coup, c'est un peu con, quoi, ce qui m'arrive. Je sais que c'est trop court, je sais. Je sais, Miguel. Je sais, mon petit Mimi. Parce que j'ai rien d'autre en plus, quoi. Laisser. Non, bah non. Ouais, bah, je sais pas, hein. Je sais pas du tout. Bon, on reviendra ici plus tard, c'est pas grave. Hop. Avance, mon petit Miguel. J'avais pas vu, il y avait une serviette posée, tranquille. Genre, ouais, tu prends une douche. Ça ira, merci. On se sent propre, hein. On traîne à Silent Hill, c'est super crade, mais moi, je me sens super propre, hein. Pas de soucis. Alors, où était ce coffre à la con? Peut-être là. Ah, il y avait qu'une sauvegarde ici. Bah, apparemment. Petit tour sur soi-même. Fait un moment que tu nous as pas fait une position fœtale, Miguel, hein. En même temps, à chaque fois qu'il en fait une, c'est que je fais pas exprès. Ah, je viens de cracher. Dégueulasse. C'est Silent Hill, m'en voulez pas. Voilà. Alors. Ah oui, non, bah attendez. On va essayer déjà la clé, mais je crois qu'il manque encore un truc. Hein. Hop. Ça, c'est bon. J'utilisais la clé. Ouais, parce qu'il me faut deux codes, apparemment. Oh la vache. Donc il va me manquer encore un de code. Alors. Mémo. Louise. Oh putain, regardez tout ce que j'ai, quoi. Ça va tomber que t'as faux. Impression en relief, ouais, voilà, c'était ça. Alors. 1-5-2-7. 1-5-2-7. Je sais pas lequel c'est, du coup, vu qu'il y en a deux. Ils auraient dû en mettre encore plus, des cadenas, des codes et tout. 1-5-2-7. On va essayer là, déjà. Je vois rien du tout. Un peu galère. Où est le 5? 1-5. Putain, on voit rien! Au secours. 2-7. Non, ça a pas l'air d'être ça. Bon, alors là. 1-5-2-7. Voilà. Et il nous reste un cadenas et on a absolument pas le... Bah, le truc. Et ça fait chier. Donc, il manque encore un truc et je sais pas où aller le chercher parce que... J'ai un peu cherché partout, quoi. Hein. C'est assez emmerdant. Je peux pas utiliser le couteau dessus, non. Je sais pas comment faire. Il me manque un putain de code. Et je sais pas où est-ce que je suis censé le chercher. J'ai fait, bah, j'ai fait tout l'étage, hein. Attendez. C'est quand même bizarre que sur le toit... Ah, attendez, c'est peut-être marqué, en fait, dans le journal que j'ai trouvé. Oula, attendez. Ouh, attendez. Inspecteur d'Ao dans la place. Carte trouvée sur le bar, journal intime du toit. Parce qu'il y avait plein de dates. Et le code, il est peut-être marqué comme ça, en fait. Là, on a le 9 mai. Le 10, le 11 et le 12. Et merde, et on a le 13 aussi. Et ça pourrait bien être ça quand même, parce que sinon je vois pas à quoi ça sert quand même. J'ai peut-être loupé un truc avant, c'est possible. Hein. Parce que là, je vois pas où j'aurais pu louper un truc. Oh, je vais redescendre vite fait en bas. C'est toujours fermé là. Hein. Je vais redescendre vite fait. Hop. Donc en bas il n'y avait rien tout en bas au premier. 3. Le 2 on a déjà regardé. Si j'ai loupé, un truc dans toutes les salles et qu'il faut tout que je me retape, ça va être hyper drôle.
C'est toujours aussi accueillant ici. Verrouillé. Je n'arrive pas à la porte. C'est terrifiant, hein. C'est vraiment terrifiant. Alors, est-ce que j'aurais loupé un truc par là? C'est obligé que j'ai loupé un truc par là. Mais ce n'est pas utile. Blablabla. Bla, bla. Attendez, ça c'est quoi là? Je peux y regarder ça? C'est à propos des patients hospitalisés ici. Ah! Jack Davids. Il a déjà fait 3 tentatives de suicide pour des raisons inconnues. Patient modèle qui respecte les ordres des médecins et des infirmières, elle doit néanmoins être surveillée à cause de sa tendance au suicide brusque et violent. Joseph Barkin. Ah, ouais, mais est-ce que c'est intéressant ça? Je sais pas si c'est vraiment utile en fait, quoi. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas et je ne sais plus. Je suis pas doux avec Miguel. Bon, vous savez quoi? On va s'arrêter ici. On va faire une petite sauvegarde légitime. Et une petite sauvegarde aussi. Ouais, moi je suis très friande des sauvegardes. Je fais des sauvegardes tout le temps, moi. Voilà. Donc je sais. Oh bordel. Je sais absolument pas où il faut que j'aille la prochaine fois. Mais bon, c'est pas grave, je finirai bien par trouver. Pierre, je ferai une vidéo avant de, de commencer à jouer avec vous. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne avec Miguel et peut-être Lampe Torche ou... non, pas Wayne Dead, faut pas penser à Wayne Dead. Ou avec The Walking Dead avec Lee. Et Clémentine, voilà. J'espère que cette vidéo vous a pu aller. Bye bye. Oh,